18e accueille Tours 4e. Deux objectifs bien différents pour ces deux clubs. Nîmes essaye de sauver sa place en Ligue 2 à un point du maintien seulement. Tours de son côté n'est qu'à deux points du podium et rêve toujours d'élite. Nîmes doit évoluer sans Bosch suspendu. Parpex et Corrèze sont blessés. Les Crocos vont essayer à domicile d'obtenir un bon résultat. Ils ne sont que la 18e équipe à domicile. 3 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Un bilan insuffisant. Mais c'est une bonne entame pour le Nîmes Olympique avec une première frappe. Puis une deuxième action qui permet d'ouvrir le score. Le but de Samir Benmezian à la 27e minute. C'est son 8e de la saison. Il est le meilleur buteur de son club. La défense de Tours n'y est pas sur cette action, tout comme toute l'équipe depuis le début du match. Mais Tours se réveille enfin avec ce centre en retrait, cette frappe déviée. La défense de Nîmes s'est bien repliée et a sauvé la situation. Encore une possibilité pour le TFC avec ce coup franc, mais le ballon s'envole. Pas énormément d'action et c'est Nîmes, l'équipe la plus réaliste dans la première période. À la mi-temps, les Nîmois mènent 1-0. Tours doit certes jouer sans Bergougnou et Pascal Béranguet blessé. Mais Tours est pourtant la 5e meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Déjà 4 victoires et un match nul. D'autant plus que la série récente est bonne. 4 victoires sur les 6 derniers matchs. Le retour du vestiaire est concluant pour le TFC. Mais encore la défense de Nîmes très solidaire qui réussit à s'interposer. Le gardien, puis les défenseurs. Tours insiste pour égaliser. Avec cette nouvelle possibilité, la frappe est un petit peu trop croisée. Toujours pas de réussite. Nîmes a tenu le coup à 1-0 et peut repasser à l'attaque. Voilà le deuxième but à la 83e minute. C'est signé Vincent Granic. Ce n'est que son 4e but de la saison, lui qui a beaucoup marqué la saison dernière. Il est de retour. Et ça se voit pour les Crocos qui continuent sur la lancée de leur 2-0. On joue la 90e minute. Et Anthony Coura résiste à toute la défense pour marquer son 2e but de la saison. Nîmes crée un exploit dans cette journée de Ligue 2 et inflige un sévère 3-0 à Tours. Thank you.